Mario, notre site est apporté. On va parler de Mirador. Il y en a qui chassent des tristaines d'un cache formé. Mais je pense qu'il y a des nouvelles méthodes. En tout cas, moi, je l'ai développé, toi ici, la méthode de chasser au sol. Oui, ça, là, ça fait peut-être 3-4 ans. C'est quelqu'un qui, ça fait plusieurs années qu'il chasse l'eau dans des caches fermées, dans des tristaines. Puis il manque un petit peu de challenge. T'sais, là, c'est du traquage. On nourrit la bête, on l'attend, on sait à cette heure avec les caméras. T'sais, on sait tout ce qui se passe. Fait que si vous voulez mettre un petit peu de piquant dans votre chasse, là, c'est de chasser au sol. Il faut faire attention. Surtout si c'est un nouveau site, on installe notre site de cache avant d'installer notre rapport, okay? Pour que l'eau s'habitue. On a des branches de côté, des chicots secs, du sapinage, des épinettes. Puis là, on s'installe comme il faut. Bien assis au pied d'un arbre, si on saura avoir quelque chose juste à côté, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Puis on y va tout le temps. Quand on apporte, c'est avec plusieurs sortes d'odeurs. Okay? Des anis, on a à l'érable. On a peut-être 10 ou 15 sortes sur le marché. Puis c'est de tout le temps. L'important, c'est de jamais avoir tout le temps la même senteur. Okay. Tu sais, parce qu'à un moment donné, lourd, il sent nos nouvelles affaires, mais on n'est pas là. C'est pas grave, comme ça, il prendrait une heure de plus à sortir. Ah oui. Tu sais, on n'est pas là. Fait que là, c'est surtout votre site de cache, c'est d'avoir l'essence de, disons, des arbres. Des arbres qui sont alentour. OK, soit l'épinette, du cèdre, on met de l'odeur de ça. Okay. Tout le temps, une couple de petites gouttes d'urine. Oh, l'urine de moufette. L'urine de moufette, moi, je connais pas beaucoup de bêtes qui courent après une moufette. C'est vrai. Ils vont sentir ça, c'est naturel, ils vont faire le tour. L'année passée, j'ai arrivé une expérience, j'étais avec mon épouse, puis elle a fait un petit bruit, il est venu à 10 pieds de nous autres. Il essayait de sentir, puis je venais de mettre des gouttes de moufette, hop, il a senti ça, il a reviré sans être de bon. Mais c'est d'être tout le temps en sécurité, par exemple. Tu sais, en arme, mais je peux vous dire en affaire que si l'adrénaline est un petit peu plus haut, ça monte, c'est vraiment. Prenez-tu la carabine à fusil à pointe noire, à l'arbalète, à l'arc à poupée? Là, je suis rendu que je chasse à l'arc traditionnel, je veux chasser au sol entre 10 et 15 pieds. Je pense que l'adrénaline devrait monter un peu. Là. On appelle une confrontation. Oui, c'est extrême. C'est extrême. Mais dans le fond, ce qu'il faut remarquer dans tout ça, c'est, en gros, c'est les senteurs. Exactement. Hein, faire attention à nos odeurs, les camoufler. Exactement. Exactement, c'est ça qui est important. C'est ça. Puis changer souvent d'odeur. Souvent d'odeur. C'est pour pas qu'il y ait de. Aussitôt qu'ils ont une nouvelle odeur, pour pas qu'ils soient craintifs. OK. Qu'ils soient habitués à l'odeur. Il n'y a aucun problème. Mais l'urine de moufette, c'est le petit coup de cœur de Mario, c'est l'urine de moufette. Les deux, trois petites gouttes, ils sont bien importantes. Il faut bien en remarquer ça, pas oublier ça.